Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live sur le nouveau DLC de Banner of Ruin, The Bard Moonstone, traduit Opaline en français. Un nouveau DLC donc pour ce jeu publié par Goblin Studio que j'aime beaucoup, que j'ai comme d'hab assez de temps pour jouer, mais à chaque fois qu'il y a un petit DLC j'en profite. L'affiche n'a pas trop changé, hein, il n'est pas jouable à la manette, mais ça n'aurait aucun intérêt. Il est toujours en français. Même si là, au moment de la sortie, il y a quelques petits trucs en anglais qui traînent à droite à gauche. Il est solo, bien sûr, on est sur un roguelite où les combats se font avec des cartes. Si vous connaissez le jeu, ça n'a pas beaucoup changé. Si vous le découvrez, bah, vous allez le découvrir. Comme la plupart des DLC de Banner of Ruin, il coûte 3€. Et il ajoute, entre autres objets, cartes et autres talents, un personnage principal jouable, donc le Bard qu'on voit à l'écran, espèce de lapin, lapin avec un luth, et qui, comme le maître poudrier avant dans le dernier DLC, va être considéré comme un héros en fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le jouer avec ou sans des compagnons, si jamais il décède, vous perdez l'aventure, alors que les autres compagnons sont éventuellement perdables. Lui, il faut le garder en vie, sinon c'est mort. Il y a des grosses différences avec le maître poudrier, on verra en combat sur le gameplay, mais l'une des principales, c'est que contrairement à ce qu'on avait pu voir avec le maître poudrier, lui, le bard, enfin la barde, elle est pas faite pour être jouée toute seule, c'est-à-dire qu'il lui faut un groupe. Sa capacité principale, qui va consister à mettre des passifs sur les autres membres du groupe, donc sur tout le monde sauf elle, n'a un intérêt que s'il y a d'autres membres du groupe, bien sûr. Alors après, j'ai pas fouillé le gameplay à fond, il y a peut-être des possibilités de le faire sur elle, etc. Mais par défaut, en tout cas, clairement, toute seule, elle est pas la plus optimale. On va basculer en jeu, on va voir ça tout de suite. Hop là, donc on va aller dans les objets débloqués. Le DLC, on va voir ici, on a Opaline. Donc pour l'instant, j'ai pas joué suffisamment pour la débloquer. Mais on voit, enfin pour débloquer des choses, mais on voit qu'elle a sa capacité raciale qui lui permet d'ajouter une capacité passive aléatoire à son répertoire, et qu'elle va avoir un répertoire de passifs, de musique, hein, de sons à chanter, pour mettre des bonus. On va voir ça. On va se lancer tout de suite dans une nouvelle partie. On va bien sûr choisir Opaline. À la différence du maître poudrier également, vous allez voir, on va pouvoir recruter des gens au début en fait. On va pouvoir choisir deux personnages parmi 2x3 qui nous sont présentés au hasard sous forme de cartes. On a la possibilité de prendre des serments comme toujours, hein. Ça n'a pas changé, sachant qu'on commence on commence avec le serment comme quoi si ce personnage meurt, on perd la partie. On va pas en prendre pour cette partie découverte, on va pas prendre le didacticiel et on va se lancer dans la campagne. Alors, au début, voilà, on va pouvoir recruter parmi 3 personnages. Un lièvre, une hermine ou un castor. L'hermine, je la connais pas trop. On va prendre l'hermine, tiens. Donc, on la recrute, bien sûr. On va pouvoir la voir. Ah si, c'est elle avec cette... Là, sa tête, je la reconnais là, ok. Elle commence avec une armure moyenne et une arbalète. 13 dégâts, gagné pacifié et 3 charges. Ok, donc quand on attaque, on peut plus attaquer ensuite. J'imagine que ça simule le rechargement, par contre on gagne de la charge. Et salut Kenton, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien ce matin. Prêt pour les ruines de la bannière, exactement. Allez, on prend l'hermine, c'est parti, recruter. Hop, du coup on va avoir droit à un autre recrutement. Alors on a déjà elle qui est plutôt à distance. On pourrait prendre un ours. Opaline, on va plutôt la jouer derrière. Donc un ours un peu tanky, ça me paraît plutôt une bonne idée. Voyons ce qu'on nous propose. Cassius Holgenaut. Il commence avec une masse et un bouclier. Gagner 8 et 2 de feinte. Ce tour-ci, la première fois que l'armure de ce personnage est brisée, appliquez 1 à son rang. Rage. Ah d'accord, ok. Donc il peut mettre de la rage avec son bouclier. Ok, ça... T'as une chaussette trouée, Canton. Bon, ça va, si c'est le truc le plus grave qui t'arrive aujourd'hui, franchement, je pense qu'on n'aura pas à s'en plaindre. Donc ça y est, on a nos 3 personnages.
On va pouvoir choisir comme d'habitude un bonus de départ. On peut prendre une arme, on peut augmenter les statistiques d'un personnage ou avoir un petit peu de ravitaillement. On va prendre les stats. Alors, 1 d'endurance pour notre ours. C'est parti. Voilà. Là, on va être bien. Alors, on va du coup changer un petit peu nos positions. Alors, Opaline, tu vas aller derrière. On va mettre l'hermine à côté de toi et l'ours, il va tanker un peu. L'hermine, t'as quand même une armure moyenne, hein, donc même si t'es à l'arrière, tu peux rester sur ta ligne et tenir. Et donc, on commence avec le destin de héros, hein. La mort de notre héros met fin à la campagne. Ok. Ça me paraît pas mal pour commencer. Donc au début, on va pouvoir négocier avec l'informateur qui va nous donner une quête. Qui est pour l'instant toujours la même. Hein. Les méchants ont capturé sa famille. Il veut qu'on lui trouve un bateau et qu'on libère sa famille. Et on le retrouve dans les égouts. Il nous fera rentrer. Enfin, il dit en tout cas qu'il nous fera rentrer dans la ville haute. On n'est pas obligé de la faire, il me semble. On a moyen de trouver d'autres moyens de rentrer. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Le carrelage est loin d'être chauffé. Ah bah oui, bah écoute, il faut te mettre en tailleur sur ta chaise du coup. Ça manque d'animaux à plumes. C'est vrai qu'on n'a pas d'oiseaux dans Banners pour l'instant. Effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas d'oiseaux. Alors, on va commencer par notre premier combat. Donc, on a trois lanciers souris de base. Qu'est-ce qu'on a popé? On a une arbalète, donc l'arbalète, il n'y a que lui qui peut le faire. Donc comme d'habitude hein, dans Banner, c'est important de regarder les cartes que vous avez avant de commencer à jouer. Là, on pourra défausser une carte et gagner 3. Gagner un petit peu de bouclier avec lui. Il va se prendre deux attaques, puisqu'il tank celui qui est en face et celui qui est à côté, qui a personne à attaquer, donc attaque lui. On a ça qui est pas mal à utiliser avec... avec l'élan, mais il faudrait qu'on jette une carte. Donc je pense qu'on va se défausser de ça, on n'en a pas besoin. Quoique, si, il va prendre 8 et 8. Non, si, on en a carrément besoin. 13 de dégâts, on peut bien dépouiller quelqu'un. Par contre, il pourra plus jouer après, mais en même temps, il aura pas vraiment grand-chose d'autre à jouer. Ok, donc on va faire ça. Là, on prend l'écu, on va se blinder un peu, et on va profiter qu'on est en avant-garde pour prendre l'attaque frontale. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, toi, tu vas faire ton petit tir d'arbalète en face, tant qu'à faire. Alors il fait quoi lui? Créer 3 lames cachées dans votre main et lui enlever tout au cumul et gagner 3 par cumul ainsi enlevé. Oh, c'est pas mal. Et donc Ophaline a sa petite capacité d'avoir des passifs. Donc pour l'instant c'est vide et à chaque combat on peut utiliser une volonté pour avoir un random. Et après une volonté pour avoir un autre random, etc. Et plus on en a, plus on peut choisir, enfin plus on a de possibilités quand on joue de notre lutte pour choisir et pour pouvoir le faire. Donc là par exemple on aurait quoi? Une fois par tour, lorsqu'on n'avait plus de carte en main, tirer une carte par allié de l'endurance. Ah bah c'est pas mal ça. Donc on peut cramer d'autres volontés si on veut, pour l'instant on va pas le faire. On peut jouer de la musique quand on tire son arme de carte, à savoir le luth. C'est une arme comme le maître poudrier qu'il n'y a que elle qui peut avoir, qu'on peut pas lui déséquiper. Son luth, et du coup bah, c'est une carte qui apparaît comme ça quoi. Et du coup, alors, est-ce qu'on finit celui-là ou est-ce qu'on endommage celui-là un peu plus? On va finir celui-là, je pense. Et donc bah on n'a rien à défausser, donc on passe le tour. Là, ils vont encaisser. Donc ils ont leur petit bonus qui fait que... Tiens. Ah oui, c'est vrai, ils gagnent de la feinte, mais ça ne s'active que quand son armure casse. Qui fait que quand ils sont au moins 3, ils peuvent gagner de l'armure, mais là du coup c'est pas le cas. Alors, toi on a popé ta masse, on a popé plein de gardes, on a une frappe aussi. Ah, lui il attaque là-bas. Et lui aussi il attaque là-bas. Avec un 2x3, intéressant. Donc c'est plutôt toi qui va prendre les gardes du coup. Allez hop. Double de dégâts si la cible a... voilà, donc un petit 16, ça me paraît très bien. Et du coup, on va le finir. Parfait.
Premier combat, un petit peu de thune et une carte alors. Frappe expérimentée, 5 de dégâts, augmente les dégâts de 5 à chaque fois que cette carte est jouée. Ça c'est pas mal ça. Par contre si on la joue pas, ça a été nerfé, si on la joue pas pendant un jour ou un tour on l'a en main, on perd le bonus. Si le personnage au rang avant, infligez des dégâts d'armes, si le personnage en rang arrière, appliquez 5 à l'allié devant, ok. La prochaine attaque de ce personnage inflige des dégâts à la vitalité, cette attaque affiche aussi 6. Ça coûte 2 quand même. Ces deux là sont pas mal, ça c'est un truc qui peut vraiment bien comboter, on va le prendre. J'aime beaucoup les trucs qui combattent. Et on est parti pour notre exploration. Alors, qu'est-ce qu'on a? Direct un combat lourd qui va durer 3 choix. Là, on peut défoncer un combat au hasard ou une possibilité de s'améliorer. Une possibilité de s'améliorer dès le début, c'est pas mal. Les telos sont à votre trousse, vous parcourez une rue et tombez dans une impasse. Par ici, une trappe. Fichtre, elle est fermée. Alors, c'est Décéline qui pourrait choisir de perdre 10 de vie pour 1 endurance. Allez, vas-y, force le passage. Tandis que Décéline ferme la trappe derrière vous, une flèche adroitement tirée se fiche dans son épaule. Vous disparaissez dans l'obscurité, laissant les troupes ennemies derrière vous. Décéline, elle a une armure moyenne, mais 10, ça fait quand même la moitié de ses PV. Hein. Ah la vache, on a une autre patrouille lourde. Bah, on va prendre la persévérance. Et on va prendre la patrouille lourde, vu qu'on va avoir notre petit bonus de 15 d'armure en début de combat. Ça peut aider à faire ce combat. Alors, effectivement, on a 3 larbins. Donc les larbins, ils sont hyper dangereux parce qu'ils ont la furie. C'est-à-dire qu'à la fin de leur tour, ils gagnent de la charge. Et furie augmente de 2. Donc au premier tour, ils gagnent 1 charge, au deuxième tour 2 charges, etc. Donc ils peuvent très vite faire très mal. Déjà, de base, ils font 10. Et on voit qu'ils tapent tous sur notre ami la loutre. Je vois. Alors, on va pouvoir les déplacer, je pense. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est prendre un truc comme ça. Ouais, ok, c'est fait. Donc, on a l'arbalète qu'on va pouvoir activer qui coûte 1. On a également la masse, donc on va pouvoir faire masse de dégâts parce qu'il y a de l'armure en face. Toi, tu vas utiliser ça pour le déplacer ici, et donc là du coup ils vont tous taper dans le vide, ça leur fait un tour de perdu. Ensuite, un petit tir d'arbalète. On va faire un petit peu mal sur le premier, ensuite hop, on est pacifié mais on gagne de la charge, donc lui il reste un PV, c'est toujours ça de prix. Et ici, alors toi tu vas prendre la garde et tu vas commencer à endommager un peu, voilà. Fin du tour. Lui il est plus fragile ce larbin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? 6 dégâts, s'il y a plus de 18 d'armure, ils font 4 de saignement. Oh, pas mal. C'est bien joué, c'est bien joué. On gagne encore 15 d'armure, on a la ruée. 5 de dégâts d'armes et mettre du saignement, ça c'est pas mal. On préférerait quelqu'un qui fasse beaucoup de dégâts d'armes. 13, voilà. 13 de dégâts d'armes, ça c'est propre ça. Bim, avec la charge. Voilà, ça c'est fait. Alors ici, est-ce qu'on se pacifie? Ils mettent encore des tatanes sur lui. Bon, il a 34 d'armure, mais il va prendre le saignement du coup. Ce serait bien de pouvoir se débarrasser d'au moins un. On peut faire mieux, on peut faire 5 sur lui. Comme ça, il crève du saignement. Se débarrasser de celui-là. Et on peut renforcer un coup notre armure. On n'a pas pioché le loot encore, c'est dommage. Ah la vache. Ah oui non, c'est pas qu'il a tapé dans la vitalité, c'est qu'on en avait déjà perdu, c'est vrai. Va falloir s'en débarrasser assez vite là. Donc là on peut faire pas mal de dégâts, on peut défausser une carte. On pourra défausser ça pour gagner de la charge. Ouais. On n'a pas d'intérêt tout de suite à le renvoyer derrière.
objectif c'est de faire le plus mal possible. Bim, voilà. Ensuite 5. Et t'as plus ce qu'il faut, donc de nouveau 5. Alors c'est chiant, on va prendre un tour, on peut activer ça. Ouais, carrément. Voilà. On va le finir pour pas prendre un tour de saignement gratos. Un kit de bandage, on prend. Et on a gagné des armes. Alors, on a gagné une épée encochée qui fait 8 de dégâts, un peu pourri. Et un bâton, 8 de dégâts appliqué 3, déplacer et changer la cible vers une autre position. Ça, c'est puissant, ça. C'est puissant, mais est-ce que c'est vraiment mieux que notre combo, là? Je pense pas. On va les prendre. On va les mettre dans notre cache. Alors, quand ils sont dans notre cache, ils peuvent apparaître dans notre deck pendant qu'on joue. L'avantage, c'est que... ça peut nous permettre d'avoir des cartes à défausser. L'inconvénient, c'est que bien sûr, bah, ça nous pourrit un peu notre deck. Alors, on prend le jeton, on gagne. Chaque fois que ce personnage attaque, ou pour chaque attaque, dans une multi-attaque, ajoutez les cumuls de charge aux dégâts. Charge est ensuite perdue. Ah, on gagne un de charge, d'accord, ok. On gagne un de charge, donc du coup, si on le met sur ça... Ça devrait... On gagne 3 charges, ok, parfait. Bon bah, on va tester. Alors, on a du combat, ici on avance bien sur cette ligne, on est déjà à 11 cartes. Réserve de l'armurerie. Ouais, on va aller faire un tour. Alors, à voir que vous vous apprêtez à les inspecter, vous entendez pas lourd d'une patrouille. Regardez 2 armes, regardez 3 armures. Faire un combat élite et on regarde tout. On va regarder les 3 armures. Donc Opaline, on peut pas lui changer son équipement. On a une armure moyenne de base, une armure légère supérieure. Ça c'est intéressant. Et une armure lourde supérieure. Ah et par contre il joue quasiment plus quoi. On va quand même lui donner. Et lui, je me tâte parce que une armure légère supérieure, ça serait pas mal. Toi, c'est déjà ce que t'as, de toute façon. Non, c'est une armure légère que t'as, toi. En fait, le 1 d'endurance à par tour est quand même vraiment pas mal. Le problème, c'est que vu que son attaque le pacifie assez vite, on n'aura pas forcément toujours le moyen de l'utiliser. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 14? Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Et du coup, on pourra lui mettre le bâton à la place de l'arbalète. Qui est pas mal, hein, 13 de dégâts, c'est des bons dégâts. Mais là, on fait quand même 8, c'est pas si mal. Et pouvoir déplacer des ennemis, c'est très très puissant. Et on confirme. Alors, oh un contact, pouvoir se soigner, ça c'est cool. Oh un talisman. Un mentor, modifier notre deck, on n'en est pas là. Là ils sont là deux fois, donc on va prendre le talisman et après on prendra le soin. Votre regard se porte sur un groupe de bricoles en bois, puis vers un en particulier. Une fibule en forme de cerf de corbeau. En effet l'ami, c'est bien ce que vous pensez, chuchote le vieux lièvre. De la vraie charmille, bois de fer, du fer de cloître noir. Prenez-la, elle devrait rester avec les siens. De toute façon, je sais pas comment la porter. Alors, vos adversaires commencent les 3 prochains combats avec 30% vitalité. Vous ne gagnez ni or ni XP, bof. Un jeton d'amélioration ou ça. Vous commencez vos 3 prochains combats avec 3 de restauration. C'est pas mal, hein, on va prendre ça. On arrive à un croisement, on a des bagarreurs, on va quand même prendre le soin. Puf, parce que mine de rien, 10 PV, ça pique un peu quand même. Hein. Un marchand de bateau.
Ah. On a pile ce qu'il faut. Donc on va prendre le bateau. Alors, envoyer le bateau, enlever une compétence, le marchand n'en veut pas. Abandonner la tâche, abandonner la tâche, abandonner la tâche. Non, on va prendre le bateau, j'ai jamais fait cette quête, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ah, les gardes en repos, zut, si on pouvait le laisser expirer, on aura... Ah, on peut les laisser expirer, non, ouais, c'est bien ce qui me semblait, on traverse le croisement, on a forcément un combat. On va prendre le combat un peu plus dur. Des paysans. Voyez-vous ça? Des paysans avec des grosses fourches. Ah, lui il attaque la ligne arrière, le petit fumier. Ah, il attaque le rang où il y a le plus d'unités. Ok, très bien, je vois. Et là par contre, on a tout pioché nos compétences. Donc déjà, on va prendre un passif. Au début de son tour, ce personnage perd tous ses cumuls et gagne le même nombre de points de vitalité. C'est pas ouf. On va en prendre un autre. A la fin du tour, si au moins 3 ennemis ont l'intention d'attaquer, ils gagnent 1 de riposte. Ah, ils sont pas ouf malheureusement, c'est pas grave, on va quand même craquer le petit lutte, donc on peut en choisir un. On va prendre ça. Donc vous voyez, on a mis le passif sur tous les autres membres du groupe. Donc ça c'est un personnage qui va se jouer avec vraiment beaucoup de monde. Parce que si on met des passifs sur tout le monde, bah ça peut être violent. Et il reste jusqu'à ce qu'on rejoue du lutte. Alors je pense que ce qu'on va faire c'est que lui on va le reculer. Là il fait 8 et 8, on a 38 d'armure, on est largement capable de gérer. Allez bim, on va le déplacer en plus, donc il va prendre 3 de dégâts de plus parce qu'il est estropié. Ici on va faire un gros dégât, et derrière on va mettre une frappe expérimentée. Histoire qu'elle booste, on n'a rien à défausser. Je vais vérifier, mais je crois pas qu'on puisse la défausser. Ah, on peut la défausser elle-même, j'avais oublié. Ok, et eh ben tant mieux. La petite restauration, comme ça on est remonté au niveau max. Donc voilà, comme prévu, il a plus qu'un endurance. Alors, la ruée. Donc c'est lui qui va attaquer et il attaque de nouveau le rang le plus chargé. On va utiliser ça. C'est la carte qui fait qu'il faut être devant pour faire le plus de dégâts. Donc on prend. Et ici, la ruée. Ok, donc on gagne la charge après. D'accord, je vois ce que je voulais savoir. Là on a l'épée qui est dans notre coffre qu'on peut pas utiliser. Il fait 5, donc il va pas passer notre armure. Donc on n'est pas non plus... ultra dans le mal, heureusement que, ouais, avec la charge on a pu le finir. Et le repli, ça nous coûte un wheel, c'est pas une priorité hein, honnêtement. Et salut Akatsuki, bienvenue, bienvenue, merci de passer faire un coucou, j'espère que ça va bien. Alors le kit de bandage, on n'a pas de saignement, on a une posture stable. Lui il attaque là-bas, ok, ils attaquent tous les deux notre petite hermine. Bah du coup je pense qu'elle va prendre la posture. Alors on a combien? Ça on peut pas l'utiliser. Donc on a besoin de 3 points, on a largement ce qu'il faut, donc on va directement prendre l'armure et pacifier. On va aussi lui mettre un petit bonus de plus. Et on va frapper. Bim. Et voilà, un de moins. Tuck. L'armure lourde elle est coûteuse hein, mine de rien. Tu bosses pas. Bah non, il bosse pas toujours. Question, tu as trouvé où ta playlist de musique d'attente pour travailler, c'est cool. C'est une playlist que j'ai faite moi-même à partir de musique libre de droit. Je pourrais te filer le lien si tu veux, c'est un site où il y a beaucoup d'artistes qui mettent des musiques libres de droit, enfin en CCA, donc il faut les citer, etc. Mais du coup tu peux utiliser les musiques pour, bah, pour ce genre de choses, de playlist Twitch notamment. Alors là on peut le repousser,
L'intérêt, c'est que du coup, il n'attaquera pas si on le repousse. On peut se prendre un petit peu d'armure parce que pourquoi pas. Alors, on a de nouveau le lutte. Est-ce qu'on pourrait aggro un autre truc? Au tour 9, ses adversaires vont leur cumul de poison multiplié par 2. Bah, on n'a pas mis de poison encore. Alors, c'est possible, peut être très puissant. J'en ai eu des très utiles dès le début, genre à chaque fois qu'on joue une carte, mettre du poison, etc. Là, on n'a pas de bol. Bah, voilà, c'est comme ça. ok, il faut qu'on utilise ça. Donc là, on fait 10 de dégâts maintenant. Et après, on utilise ça. Et on le tue. Et on le déplace là, et après on le tue. Eh oui, Akatsuki travaille tout le temps en Kanton. Ruiner toutes les cartes de notre main, infliger 5 de dégâts par carte ruinée. Ah, ça c'est pas mal. Ça peut bien matcher avec le bâton. Ça, étant donné que pour l'instant notre ours il a qu'un point d'endurance et que c'est le seul à l'avant, je pense qu'on va prendre la moisson. On a un petit peu d'équipement. Un bouclier, ouais, et une hallebarde. Infliger 12 de dégâts au rang entier des ennemis touchés qui ont saignement subissent 6. Waouh, ça pique. Appliquer 2 de saignement. Alors du coup ça va pas du tout pour lui malheureusement, mais c'est hyper fort. On va le garder. Et je me demande même si je le mettrai pas sur lui. Parce qu'il a ses 4 points d'endurance. Mmh, 12 de dégâts. En plus du coup on aura une arme à 12 pour les trucs qui font des dégâts d'armes. D'ailleurs ça pourrait être intéressant de mettre l'arbalète sur lui parce que... Bon, on va voir, je pense, alors ces deux trucs là on s'en fout. On va voir si on prend des niveaux. Pas tout à fait encore. Du coup, je pense que sans niveau, lui, on va lui enlever ses armes parce que si on pioche le bouclier, il nous sert à rien. Hop, on va lui filer l'arbalète. Parce qu'il a un seul point. Donc s'il attaque avec ça, ça fait 13. Ensuite, il est pacifié, on s'en fout. Et si jamais on peut utiliser des cartes qui font des dégâts d'armes, ça fera 13 de base. Donc ça sera très intéressant. Par contre, du coup, on perd le bouclier. Ouais, il est sympa le barde, c'est le seul qui bouge vraiment beaucoup. En fait, ils bougent tous. On s'en rend pas trop compte parce que c'est très léger. Mais elle est en mode... Ah, j'hésite, qu'est-ce que je garde? Non, ça, c'était pas oufissime. Pour deux, on peut faire mieux. Par contre, la masse à ailette pour exploser l'armure, c'est quand même vraiment pas mal. 16 de dégâts. On va la garder. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est pour voir les améliorations. Alors, acheter des cartes, acheter des armes, ou le groupe subit 5 de dégâts. On va éviter, on va prendre les jongleurs. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Tirer une carte et gagner 1 d'endurance. Ok, non, c'est pour dépenser des points d'endurance, il les regagne. Ok, pourquoi pas. Tirez la prochaine carte de talent de ce personnage de votre pile. C'est pas mal ça. Soif de sang. La soif de sang. Ah, mais en même temps, non, attendez, on a que 196 de thunes. Donc de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut. Donc comme ça, c'est fait. Ok, une arène. Alors ça, il me semble que c'était un des trucs pour améliorer le maître poudrier. Mais est-ce que ça marche pour elle aussi? On va voir. Attention au pavé à votre gauche, il est bancal, on se demande où vont les impôts. Vous pointez du doigt sur le côté de leur tonneau une petite fissure de laquelle sort une traînée continue de poudre cramoisie. Merci l'ami, on aurait pu y perdre une jambe, la poudre est une affaire à risque. Il hoche la tête vers l'hermine qui repose le tonneau au sol et débouche trois trous, chacun révélant une couleur différente de poudre. Ok, donc effectivement, on peut acheter de la poudre. 5 de dégâts au rang et 3 d'accablement, c'est très fort. 5 de dégâts au rang et 5 de d'estropié. C'est pas mal aussi. Ou vulnérable. Sachant que le
Accablement, c'est cumulable, donc le 3, ça fait 75 de dégâts supplémentaires sur tout le rond après, quoi. Et ben, on va claquer de la thune, allez hop, c'est parti. On aurait pu parier sur le combat, mais bon. Alors, ici, on a un sage. Modifier notre deck. D'abord, on va prendre le combat pour se faire un petit peu de sous. Oh, il a l'air badass avec son armure lourde et son arbalète, là. Tu sens qu'il faut pas l'emmerder. Alors, justement, on a popé l'arbalète. Il y a un petit malandrin, ici. Bim, mange. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous attaquer notre copain. Et ciao Akatsuki, merci d'être passé. On va prendre la posture stop pour lui et c'est Opaline qui va gérer l'attaque. Dommage, alors si avec la charge on devrait pouvoir tuer celui-là. Voilà, parfait. Ils vont mettre vulnérable, on peut pas y faire grand chose. C'est comme ça. Mais il va tanker lui hein. Quatre stacks de vulnérables. Alors avec ta compétence là, tu peux enlever essouffler, mais vu qu'on le gagne à chaque tour, c'est pas rentable et le reste ok. On ne peut pas enlever vulnérable avec sa compétence. Par contre, on peut faire une petite avant-garde pour faire 10 de dégâts, sachant qu'ils vont taper sur lui et sur lui. Ok, et on a la poudre, mais on va la garder pour un. Quoique, on va la garder, mais non, c'est pas un truc qui disparaît, donc on peut se permettre de l'utiliser. Donc on va déjà utiliser l'avant-garde. C'est la priorité, puisque c'est le truc qui est utilisé à l'avant. On va utiliser ça aussi, pour commencer à la comboter un peu. Une petite armure. Et une fois de plus, j'aurais dû utiliser la poudre d'abord pour maximiser les dégâts, mais j'ai un peu de mal avec ça, visiblement. Ça m'arrive tout le temps d'oublier. Ah, le 10 d'armure à chaque tour, il fait plaisir quand même. Ah bah là c'est parfait, on a popé le bâton et la moisson de sang. Et en plus on a le lutte. Alors déjà le lutte. Lorsque ce personnage tue ennemi avec une attaque, sa vitesse maximum est augmentée de 3. Oh, c'est bon ça. Allez hop. On active. Vas-y, fais une frappe. Soif de sang. On passe à 27. Et ici, on va mettre une tatane, le déplacer, et ensuite refaire des petits dégâts supplémentaires. Et on va utiliser ça pour avoir un peu plus d'armure. La soif de sang, alors on va vérifier si ça reste là, il a 27 PV, mais si ça reste, c'est hyper fort. Alors l'albarde, on peut pas l'utiliser, ça non plus, par contre là, on a... toi tu peux pas utiliser ça, donc on est obligé d'utiliser avec lui. Mais on va le finir. Alors, la précision. Ouais, aide imprudente, appliquer 15 à un allié, le personnage actif et l'allié subissent essoufflé. Pour 1, c'est pas mal. 5 dégâts à l'armure, 15 dégâts supplémentaires par tranche de 2 cumuls de vulnérables sur la cible. Non, on n'a pas ce qu'il faut. L'aide imprudente peut être pas mal. On va prendre quand même la précision, vu qu'on a l'autre avec ses 4 là. On va bientôt prendre un niveau. Et du coup on va aller regarder, est-ce qu'ils ont gardé leur PV? 27 et 27, ah ouais ouais, donc ça reste. Oh, ça c'est fort ça. Alors, on a le sage, on a le puits à souhait qui nous permet d'avoir un jeton où on a se battre ou fuir. Et salut Xebus, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Puis assez ou sage. On va prendre le jeton. C'est bien les jetons. Alors, on peut obtenir porte-bonheur. Ou alors un jeton d'amélioration. On va prendre l'humilité. On va prier. Ah, et on peut enlever une carte de notre deck. On va enlever un truc comme ça.
Et après, on a un jeton, tirer une carte. Ok, quelle carte serait intéressante quand on la joue de tirer une carte après? Ça. Ça serait intéressant. On prend le bonus et après on tire une carte. Avec un peu de bol, c'est une attaque et on peut s'en servir du coup. Alors, ici on est déjà rendu au 3. Hein. On peut faire un combat de plus avant. On va le faire. On avance bien dans le quartier externe, c'est cool. Alors, il commence à y avoir du monde par contre. Donc, on a quoi? On a le repli. Comment ça se passe? Attaque derrière, lui il attaque le rang, il attaque derrière et lui il attaque pas. Donc. Lui il va se prendre deux attaques, il faut donc qu'on le protège. Qu'on tue quelqu'un. 16 de PV, on a 5 et 5, 10, plus 13. Ça suffit pas. Donc on va probablement le déplacer du coup. Et on va quand même faire des dégâts, parce qu'on n'est pas là pour glander. On va profiter que lui il a tous ses points d'endurance. Toi, tu vas prendre la précision, on pioche une carte, ok, on la défaussera à la fin. On va le replier, comme ça eux ils vont rater leur coup. Et là on pourrait finir lui, mais avec son 4 il va crever, donc on va prendre plutôt ça. Et toi, on va prendre la charge. Du coup, là, on a un peu baissé l'armure, on va peut-être pouvoir faire des dégâts directement dans le dans la vitalité et mettre du saignement avec notre précision. Alors, l'archer. L'archer, il tire là. Ok, bon, alors jamais il passera. Qu'est-ce qu'il fait? Implique un dessoufflé. Ouais, bon, bah, il va être méga essoufflé, hein, c'est comme ça. Ah, on a le luth. Notre ami le luth. Ouais. Un autre. Parce que ce personnage inflige des dégâts, appliquez 1, ça c'est bon ça. Hop là. Allez, vous êtes tous des égorgeurs les gars. Rendez-moi fier. Bim. 1 et 5. 5 dans ta tronche, ça c'est fait. On va aussi mettre ça. J'aurais dû le faire avant comme d'hab, hein, mais c'est pas grave. Ouais, 3 dessoufflés, il fera rien à ce tour-là, mais tant pis. Alors, il va se prendre une attaque, mais avec 45 d'armure, on n'est pas inquiet. Donc là, pour l'instant, on n'a personne qui a ce qu'il faut. Et salut Zikino, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Donc lui est mort, il va crever du saignement. Et là, on peut faire un max de dégâts grâce à l'accablement. Dommage qu'on n'ait pas de charge, mais bon, on va faire avec. On fait 2 points de 2 x 2, 3 x 2 au lieu de 3 x 1 grâce à l'accablement, ça fait plaisir. Et on gagne de la charge, bim, voilà, 14 de dégâts, 5 de saignement, il va pas durer longtemps, on va prendre ça. Puis on va activer ça histoire de ne pas perdre la carte pour rien, même si on la perd pas vraiment. Donc lui, il va prendre son saignement, lui il va crever, voilà. Ah, il se déplace celui-là, intéressant. Alors, inflige 8 dégâts à la ligne ciblée, si un ennemi subit les dégâts de vitalité, il met un saignement. Okay. Et toi, tu vas faire quoi? 8 de dégâts si le héros avant il gagne vulnérable. Et bah écoute. J'ai envie de dire qu'on a un carreau d'arbalète pour toi. Bim. Donc on va pas pouvoir utiliser avant-garde, mais l'arbalète faisait quand même plus mal. Encore que, si, elle faisait plus mal. La hallebarde on peut pas encore l'utiliser. Ça nous sert à rien. Et ça nous sert à rien. Bon bah. Pas un très très beau tir, on va quand même prendre les 6 de dégâts. Pour finir lui. Et on est parti. Donc lui va mourir quand ce sera son tour. Pour l'instant, c'est pas son tour. Alors, on a le bâton. Et on a le bâton et la moisson de sang. Ça, c'est cool. Hop. Bon, de toute façon, on le tue. Donc la question se pose pas.
Et bah du coup on va finir celui-là aussi. Voilà. Et on est niveau 2. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on a? Infliger 4 dégâts à la vitalité, appliquer blessure. Oh, ça c'est fort ça. Le saignement ne se décompte plus. C'est quoi ça? Injouable lorsque cette carte est défaussée. Choisissez un allié à qui appliquer 18 ou un ennemi à qui infliger 18. Ah d'accord. Bah non, on va prendre la terrible plaie. Hein. Sur un boss, ça peut être hyper hyper violent. Alors, c'est parti pour les niveaux. On va lui monter sa volonté parce qu'on se sert pas mal de la volonté. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Gagnez 3 défenses pour chaque capacité passive dans votre groupe hormis l'armure. Ok. La prochaine fois que vous piocherez votre lutte, les capacités passives temporaires seront conservées. Oh. Ou tirer 4 cartes et gagner pacifié pour 3 points d'initiative, ça peut être bien, mais il faudrait qu'on ait des personnages en plus. En gros, ça fait que nos capacités passives restent. Mais je pense pas... On va tester. Si jamais ça nous permet de mettre 2 passifs, c'est hyper puissant. Et ouais, il est chou, hein, le lapin barde. Hein. En plus, il bouge et tout, c'est cool. Alors... On peut toujours pas les renommer, par contre. C'est dommage, ça serait sympa de pouvoir les renommer. Toi, j'aime beaucoup ton passif, enfin, ta capacité raciale, même si je m'en sers pas beaucoup, ça peut sauver la vie. Alors... les cartes ruines. Alors, malheureusement, on les joue pas. Enfin, malheureusement, ou pas, mais pour l'instant, on les joue pas. Échanger avec l'allié ciblé, 2 cartes lames cachées sont ajoutées à votre main. Ok, pas mal. Ça peut être pas mal, ça. Et ruiner une carte, appliquer 8 de destropié, créer une carte lame cachée dans votre main. Ok, donc l'hermine joue plutôt sur la ruine, visiblement, et le mouvement. On va prendre, du coup, le mouvement. Et salut Squash Belge, bienvenue sur le live, comment ça va? C'est dimanche matin. Lui par contre il lui faut de l'endurance, avec son armure clairement soumission. Si la prochaine attaque de ce personnage inflige des dégâts, vous pouvez déplacer la cible, ok. Défausser une carte au prochain tour, choisissez une carte de défausse et mettez-la dans votre main, ok. Ou médecin de peste. A chaque fois qu'il subit des dégâts de poison, un allié au hasard gagne 3 de vitalité. Ouais, ça c'est assez circonstanciel mais ça peut être très puissant. Après, les dégâts de poison, il tape dans l'armure, contrairement au saignement qui va être fait directement dans la vitalité. Les dégâts de poison tapent dans l'armure, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait plus d'armure, qu'on ait un ennemi qui fasse du poison, qu'il ait plus d'armure, et qu'en plus on pioche cette carte. Donc c'est un peu trop circonstanciel pour moi. Par contre, ça peut être pas mal, déplacer des ennemis toujours. On va jouer sur le mouvement, je pense, dans cette team. Ah, un butin. Ah, go. Voyons voir ce qu'on nous propose. Une armure légère supérieure. Zut, on a déjà ça. On peut pas la donner à Opaline, malheureusement, toujours pas. Où est-ce que je la mets à la place de la masse? Ouais, c'est quand même pas mal les armures supérieures. T'avais acheté le jeu il y a pas mal de temps, mais t'as pas accroché, Squash. Bah écoute, moi je l'aime beaucoup. J'ai pas le temps d'y jouer parce que les runes sont assez longues. À chaque fois qu'il y a un DLC, du coup, j'en profite pour refaire une petite partie. Et c'est vrai que personnellement, je l'aime beaucoup. Alors, on arrive à la taverne. Mais il nous faut au moins 450 florins pour embaucher, malheureusement. Du coup, fait chier. Se soigner, on n'a pas besoin. Bon, on va prendre la forge. Hein. Peut-être pouvoir acheter quelques trucs. Alors, gagner au corps à corps. Lorsqu'il attaque un ennemi sur la même ligne, gagne 6 d'armure. Ouais... Ça peut être pas mal maintenant qu'on commence à avoir du talent. Tirer une carte par personnage du rang arrière, les personnages du rang arrière gagnent 1 vigueur, bannissez cette carte. Ouh, ça c'est fort ça. Pour annuler des dégâts. 6 dégâts, pousser la cible. Ouais. Je pense que celle-là elle est plutôt puissante, on va la prendre. On a un petit peu en déj d'argent sur ce truc là. Alors, entrons au repère. Et on va affronter Cracha, bah voilà. Du poison. Justement, on en parlait.
Ah, et en plus, il commence avec une barricade. Alors pour le coup, le bélier aurait pu être intéressant. Histoire de... Ah, et on commence avec du poison. Comment ça se fait? Au début du combat, tous les ennemis subissent un poison. D'accord, ok. Du coup, là, ça va être intéressant pour lui de cramer ça. On enlève le poison, on l'essouffle, donc il va garder son endurance. Il va falloir qu'on fasse un peu de dégâts. On va échanger avec lui. Ça, c'est lui qui va encaisser les attaques et il est plutôt fait pour ça. On gagne de la lame cachée. Alors malheureusement, il faut qu'on passe cette foutue barricade. Ah non, il faut que tu utilises ça toi. Donc, toi tu prends la frappe. Et du coup, l'acier affûté, voilà. Alors je sais pas si... Je crois pas que ça marche parce que ça c'est juste de l'armure. Donc on va se finir une barricade. Et du coup... On va mettre un petit peu de dégâts sur celui-là. On passe le tour. Alors malheureusement on n'aura pas vraiment de moyen d'enlever le poison. Et le poison va augmenter à chaque tour. Alors maintenant qu'on a fait un trou dans la barricade, on va pouvoir se faire un peu plus plaisir déjà. Putain, il s'est fait défoncer le pauvre. Alors ça, ça sert à rien parce qu'on n'a pas encore mis de capacité. Par contre toi... On prend ça, on tire des cartes. Ah, on peut utiliser le bâton. Hop là. Ça c'est fait. Pas beaucoup d'armure, c'est lui qui va attaquer, il va faire 5 sur le rang avant, très bien. Prochaine attaque, afflige des dégâts à la vitalité, ça va pas être le cas mais ça nous permet de piocher quand même. On comprend. Toi, bouge-le. Et ensuite, une frappe. Accablement, ça fait quand même 9. Hein. On va prendre un passif. À chaque fois que ce personnage défausse, il gagne 1. Ouais, c'est pas ouf. Un autre. Parce que ce personnage subit des dégâts par saignement, il gagne 1 volonté. Pourquoi pas. Et donc ça, ça sert à rien. On n'a pas mis de capacité passive à nos numéros pour l'instant. Le poison, ça va être un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Attaque ici avec 8. Inflige 8 de dégâts si la cible a plus de 4 de cumul. Ok, donc lui, il est capable de réunir le poison en faisant des dégâts. On a, pour l'instant, on n'a pas 4. Et toi, t'attaques le rang avant. Très bien. On a le lutte. Ça, c'est pas mal. On va appliquer stratège à tout le monde. Toi, il te faut du comme ça. Ici, on a l'arbalète, 13 de dégâts. On va essayer de se débarrasser de celui-là. Parce qu'avec leur furie, ils peuvent faire très vite très mal. Tu pioches combien? 3 lames cachées. Donc, non, malheureusement, ça. Il n'y aura pas assez pour en jouer. Il va falloir que je l'utilise parce qu'il a pas mal de volonté, enfin cela dit on a plus beaucoup de volonté, ça peut être pas mal d'en garder en rap quand même. Opaline est à poil. Ah, il a le poison qui tape là. 4 dégâts à la vitalité. Ça, ça serait pas mal, on a quoi d'autre? Gagner 15 d'armure, lui il attaque qui? Opaline. On n'a pas de quoi bouger, donc c'est Opaline qui va prendre ça du coup. Lui, il faudrait qu'il repasse devant, hein, parce que derrière, il fait un peu chier. On va lui mettre une terrible blessure. Et on va
faire des dégâts ici et là. Et on va prendre l'élan sur lui. Il commence à avoir 6 de charge lui. Par contre là on va prendre 4 de dégâts dans la vie à cause du poison. Fait chier. Si la prochaine attaque inflige dégâts à la vitalité, il y a moyen. Ah, on a le repli. Alors, on va le renvoyer derrière, ça fera pas de mal. Enfin, quoique, l'autre il attaque le rang arrière. Qu'est-ce qu'il fait? 10 de dégâts à un rang ennemi au hasard. Ok, on va souffrir. Alors ce qu'il faut surtout pas qu'on perde, c'est Opaline. Hein. Les autres à la limite peuvent mourir. C'est chiant mais pas fondamental. Toi tu vas prendre ça. Toi tu vas prendre ça. On va commencer à endommager un peu celui-là. Et la moisson de sang nous sert à rien dans le contexte. Bon, avec lui devant, on devra tanker un peu mieux, même s'il y a le poison surtout qui va être le plus compliqué à gérer. Alors, on a de nouveau le lutte. Du coup, ça nous a enlevé les capacités. Probablement le jouer. On va faire ça. Si jamais on défausse, ça peut toujours aider. Ici, on va piocher ça. Et il va falloir commencer à le laminer lui. Des lames cachées, ça on va pas le jouer du coup. Par contre tu vas prendre ça pour que ça encaisse un peu là. Et ici, donc là, lui il va faire une attaque, c'est un peu naze. Par contre là, voilà, on va lui mettre un max de saignement, il est vraiment grand temps de s'en occuper. Ah oui, puis il faut que je le bouge, c'est vrai, on est capable de le bouger. Et du coup, un petit peu de comme ça, c'est très bien. C'est ça Zikino, dans le DLC, comme avec le maître poudrier, Opaline c'est l'héroïne. Et donc du coup, si tu la perds, tu perds la partie. Putain là, va falloir qu'on en termine vite là. Donc, déjà, la garde. On va pouvoir lui mettre un petit peu plus d'armure. Lui il attaque le rang avant, donc on s'en fout. On va pouvoir prendre ça. Et derrière, du coup, on va pouvoir faire des dégâts à la vitalité ici et mettre un peu plus de saignement cadeau. Et là on cogne. Et toi tu vas activer ça. Comme ça la prochaine fois on verra si ça reste la restauration. Notre ours il tank très bien mais il peut malheureusement pas faire grand chose pour tanker contre le poison. Ça fait tellement mal. Alors le coup de pied, donc là déjà on pourrait... Bon il attaque le rang avant donc on s'en fout. On pourrait le repousser derrière. Lui on n'a pas du tout commencé à le travailler. Hein. C'est ça. La charge. Voilà, il lui reste 15 PV. Non, il a couvert, fait chier.
tant pis. Faut qu'on défonce cette barricade pour pouvoir commencer à lui taper dessus. Et la restauration qui a aidé un peu, vu qu'on a défaussé une carte, mais... Putain, il va crever, il va crever, à moins qu'on pioche vraiment la grosse carte. Ah non, le poison. Et du coup, Opaline qui décède. Ah, le poison, on sait pas gérer. Ok, c'est bon à savoir. Ok, on va se relancer dans un deuxième essai pour voir si on peut trouver un autre, une autre manière de passer. Mais on va arrêter l'épisode de VOD là avant. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, faites un petit coucou le temps que je bois un coup. Et on se dit à très vite pour la suite.